Salut, c'est Metal Laze, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va jouer à WarioWare Incorporation. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, bonne vidéo. Ah merde, mais ça c'est mon ancienne sauvegarde, le fail. Et voilà, c'est tout bon. On peut commencer une partie. Je suis Barib, du coup, les non-binaires. Diamantville. Et c'est parti. Et en fait, WarioWare, c'est un jeu. Il comporte des mini-jeux et il faut aller très rapidement, il faut réagir très très vite. Et là, on commence directement avec les niveaux de Wario. Les niveaux sont simples. Je joue à la manette. Précise quand même, parce que jouer au clavier, c'est un peu plus compliqué. Et la moindre erreur peut vous faire perdre une vie. Vous pouvez voir que là, sur cet écran, il y a 4 vies. Et on est là pour un petit let's play aujourd'hui. Ce sera la première partie, peut-être que ça se fera en deux parties. Parce que je me dis, en une seule partie ça fait un peu long. Peut-être qu'on aura pour plus d'une heure, donc dans le loot, on fera ça en deux parties. Et ça s'accélère, ouais, j'ai oublié de lire ça aussi, ouais. Alors c'est sympa, hein. Voilà, pour vraiment réagir très très vite, faut être très réactif. Oh. Et en plus, le jeu il essaye de te faire des pains parce qu'au début, tu vois, les mini-jeux sont faciles, ouais. Bah, non seulement ça accélère, mais en plus, les mini-jeux vont devenir de plus en plus durs. Et il y a un boss à la fin. Bon. Je me gratte le nez, mais t'inquiète, en principe, le boss il est facile. Oui, c'est juste Wario qui doit taper sur ce punching ball. Ouais, mais il y a un timing à avoir. Si je rate le timing, bah je perds une vie. Mais évidemment, c'est trop simple. Et voilà. Et on a déjà terminé le premier niveau. En fait, c'est le niveau, c'est du coup, c'est par personnage. Du coup, WarioWare Incorporation, c'est le premier WarioWare de la série sur Game Boy Advance. Moi, personnellement, c'est pas le premier que j'ai connu. Le premier que j'ai connu, c'était sur Nintendo DS, c'était WarioWare Touch. Et j'ai adoré. Et c'est depuis justement ce WarioWare Touch qu'en fait, que genre, j'adore la licence. Et c'est aussi pour ça que j'adore Wario. Et parce que peut-être que vous étiez là plus tôt sur cette chaîne YouTube, et peut-être que vous avez vu mon let's play sur Wario. Ou, WarioLand. Sur WarioLand 4. C'est un peu long, on peut accélérer le truc. Du coup, aujourd'hui, on se fera Wario Jimmy. Pour l'instant, celui-là, on ne sait pas encore qui c'est. Et on terminera du coup par ce personnage. Ah, d'ailleurs, j'en profite. Peut-être que le son de ma voix est peut-être un peu différent par rapport à d'habitude. J'ai installé des plugins, j'ai installé ce qu'on appelle des VST. Oui, je sais, genre ça fait plus de 6 mois que j'ai mon micro, je n'ai toujours pas installé de VST. Si, j'ai installé une induction de bruit. Enfin, on va dire, j'ai essayé d'améliorer un petit peu le son de la voix et surtout pour éviter un petit peu les sons où je respire. Je sais que c'est très désagréable, mais moi-même, mon montage, en fait, j'ai du mal à les supprimer. Après, encore faut-il que j'articule bien. Et tous les personnages de ce jeu sont tous plus charismatiques les uns que les autres. Non, par contre, à chaque WarioWare, c'est toujours les... oui, du coup, c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent. Ah, mais j'arrive pas à confondre WarioWare et WarioLand en même temps. Parce que j'aime bien les deux jeux. Là, c'est la fête, hein. Ah, Jimmy, c'est le discoman, hein. Ok, il faut un bon timing. Là, c'est plus des jeux de sport. Sur celui-ci, évidemment, l'interface, elle change. Que chaque personnage a leur propre personnalité. Et chaque personnage a leur propre histoire. Rentre là dans le trou. Quand même, s'il vous plaît, pas à moi. Non, il n'y a que moi qui est un détraqué. Ok, je suis un détraqué. Là, c'est vraiment que du sport sur celui-là. Ok, ok, oui, oui. Il y a des musiques qui reviennent. Je sais pas si c'est des musiques que vous entendez à chaque petit niveau. Mais il y a des musiques justement de WarioLand 4. Parce que ce jeu est sorti après WarioLand 4. Ce jeu est sorti en 2003 alors que WarioLand 4 est sorti en 2001.
Ah, c'est bon. On attrape la balle. Saut. Ah non. Vas-y, c'est bon. Je me souviens. À chaque fois que je suis là, je rate le timing. Vous allez voir des fails. Là, vous pouvez réussir. Parce que bon, les mini-jeux sont faciles. Mais vous allez me voir rater. Je ressens notamment à d'autres personnages. Un petit duo. Et je sais que certains niveaux sont assez difficiles. Et on va le découvrir aujourd'hui. Le duo, on va le découvrir aujourd'hui. Ouais, ça va, t'inquiète, le timing il est bon. Ouais, j'ai un petit peu dosé. Ah, bah voilà, le fail. J'ai à dire, ouais, ça va, tu vois, je veux dire, j'ai un petit peu dosé le jeu, tu vois, je veux dire, j'ai eu le temps de jouer. Mais je sais qu'il y a des niveaux, ils sont infernales. Ah, combat de box, c'est parti. Ok. Par contre, je suis blanc, je suis vraiment blanc comme un cul. Voilà, on tape les esquives, gauche, droite. Hop là, j'en pars à droite. Hop là, crochet du droit, bam, KO. Et c'est déjà fini. En vrai, on va pas s'attarder justement à continuer le niveau, parce qu'en fait, on peut continuer, on peut débloquer d'autres niveaux, mais on ne s'attardera que sur l'histoire de ce jeu. Parce qu'après, c'est très répétitif. C'est un chien. Cher Crew! Crewy. Et donc voilà les trois prochains personnages. Dribble. Bon, il y a Spritz aussi, mais bon, il mentionne pas. Dribble, c'est le chien. Spritz, c'est le chat. On a également Mona. Et l'un de mes personnages préférés de justement WarioWare, 9 volts, c'est que des mini-jeux sur des anciens jeux Mario, les vieux jeux Mario. Est-ce qu'on se garde pas le meilleur pour la fin? Allez, on part directement sur, on va dire, le plus dur, on part sur Dribble et Spritz. Et eux, c'est des taxis. Ils sont de société de taxis. Ils ont tous un lore, les personnages. Jimmy, c'est le discoman. Eux, c'est les taxis. Mais alors, vraiment, c'est vraiment le taxi américain. À la base, c'est japonais, mais c'est vraiment le taxi américain. Et forcément, il faut ramener du client. Mais t'en vas où? Allez. C'est marrant parce qu'en fait, ils parlent de nous comme si on était dans la voiture, alors qu'en fait, non. Je suis pas avec eux. Hein. C'est eux, ils se démerdent. Hein. Hop là, allez, on rit un petit peu la radio. C'est parti. Mettons un petit peu de musique, tiens. Ah non, on change juste de station. Ah, nickel. Et c'est parti. Et du coup, là, on va se taper la musique de la radio. Et au moment, vous avez remarqué que chaque personnage, justement, les pareils, les vies sont ressentis d'une certaine façon. Mais là, du coup, c'est Spritz, du coup, en senteur sapin. Vous voyez ce que je veux dire, les petits sapins senteurs. D'accord, à quel moment là du coup j'ai réussi à l'esquiver? Il passe des choses. Alors là, de souvenir, le boss il est très très loin. Parce qu'on avait vu que Wario c'était genre level 9, on a le boss. Là, de souvenir, le boss on l'a genre dans le niveau 20 quoi. Et tous les 20 niveaux du coup t'as le boss. C'est à peu près ça. Ah oui, là aussi du coup, j'ai oublié de le dire. Sur ce personnage là, on va se retaper quelques niveaux de Wario. Il y a déjà un petit peu de recyclage. Mais c'était l'époque parce qu'il n'y avait pas assez de jeux. D'ailleurs, à la base, le développement, il est parti, je crois. Si je dis pas de bêtises. C'était en interne chez Nintendo, ils faisaient des essais en fait pour un jeu sur la Nintendo 64. Et en fait, ils se sont dit, tiens, si le but, justement, de faire des mini-jeux en boucle comme ça, ça pourrait être quelque chose. Et en vrai, c'est très, très, très satisfaisant et très addictif si on est très, très fort. Oui, parce que comme je l'ai dit, tout s'accélère. Ok, là je joue la fusée. Je vais pas vraiment vous décrire tous les milieux parce que ça va tellement vite. Mais c'est vrai que des fois, voilà, on a quelques variantes en plus. Ok. On doit tirer sur un petit ballon. Il n'y a pas encore vraiment 3D, hein. Vraiment, c'est vraiment que du 2D, c'est quasiment que des sprites. C'est de la Game Boy Advance. Donc il n'y en a pas encore de 3D. Mais les jeux, je réagis, parce que du coup, il y a... Enfin, ouais, comme je l'ai dit. Moi, j'avais découvert le jeu, du coup, sur Nintendo DS. Et sur Nintendo DS, justement, la grosse feature, c'est le tactile. Parce que là, à faire gauche-droite et appuyer sur A ou B, c'est basiquement la même chose. Sur tous les personnages, c'est ça. C'est gauche-droite, haut-A.
Voilà, par exemple, là, je veux juste faire gauche-droite et ça marche. Voilà, c'est très très simple. On est à 20, hein. Je parle, on est déjà à 20. Hein. Le boss, c'est bientôt. 24. Le voilà, le boss. Et on va se le faire en accéléré, celui-là, parce qu'il est un petit peu cher, c'est du shoot'em up. Allez, c'est parti. Ah, pour la manette, là. Ah, j'en pouvais plus, c'est trop long. Et encore, hein, c'est pas le boss le plus dur. Hein. On le verra. Du coup, sur la deuxième partie, il y a un boss qui me pose problème. Il est un petit peu chiant. Je sais... Je vais pas dire qui. Je vais pas dire que je peux pas spoiler le personnage. Je veux juste vous dire que le boss... On a une espèce de tête au-dessus de la planète Terre et on tire des rayons laser. Ah, mais c'était un triton le truc. Bon, écoute, hein, on va pas juger les clients. Hein, à moins qu'eux, ils le font. Est-ce que vous jugez les clients? Les gars, jugez pas les clients. Non, ils sont contents. Mais eux, à chaque fois, ils arrivent des magouilles. À chaque fois, leurs clients sont relativement spéciales. On a oublié la note. Super, il a pas payé. Allez, en plus. Ah, vraiment, ils sont pas futés, les deux là. Ouah, Metal, joli, on s'est trompé sur toi. J'ai jamais compris, en fait. Est-ce que moi, j'étais le triton? Ou est-ce que c'est le quatrième mur, en fait, il me parle à travers l'écran? J'ai jamais compris. Passons tout de suite à Mona. Et Mona, disons qu'elle a son palmarès, ou plutôt, dont son CV, il est très très rempli. Il y a vraiment plein de sons qui me font penser à Roland. Ce son là aussi on le connaît, enfin cette musique là aussi on la connaît. Et par contre le décor full pixelisé. Ah voilà, tout de suite ça c'est un peu plus joli. Littéralement en 2 pixels. Ah. Ah merde, hein. C'est chiant les enfants qui traversent la rue. Ah. Ah, il se pourrait qu'elle est en retard. Ouais. Ah oui, ah bah c'est peut-être pour ça en fait que son CV il est vachement rempli. Ah peut-être parce qu'à chaque fois elle se fait virer. Oui, en plus elle commet des infractions. Hein. Non mais vraiment, hein, Mona, hein, trop fort. Hein. D'accord, hein, non, en plus, je veux dire, tu sais, elle est là avec son scooter, tu sais, elle va à Mach 8, tu sais, elle envoie des projectiles. On... C'est. Non, mais je veux dire, pour l'enfermer, celle-là! Pour l'enfermer! Bah voilà, regardez, c'est la scène de Taxi 2. On se prend pour Schumacher! Si vous avez la ref. Hop là, et strike! Sarpi. Ouais, alors là, du coup, c'est des jeux, mini-jeux un peu plus. Bah, je sais pas, mettre un doigt dedans. Ouais, ok. Vie quotidienne. C'est ça. On est sur plus de la vie quotidienne. Ça y est. Et ça accélère déjà. Déclenche le petit feu d'artifice. Incline. Ah. Mais si, c'est bon! L'imprécision. Voilà. Ah non, c'est dégueulasse. Oh, quel plaisir. Ah. Alors voilà, là c'est chiant. Celui-ci il est chiant, faut être précis. Hop. Je l'attrape avec la petite pince. Donc là on a perdu une vie. Et il y a possibilité de regagner une vie, oui. En triomphant le boss. Truc qu'on peut pas faire malheureusement. C'est que on fait juste le jeu, on fait juste l'histoire. Donc pour triompher le boss, ben y a pas de suite du coup. On s'en fout. Donc on arrive à garder nos 4 vies jusqu'à la fin. Déploie. Ah, c'est un crash test demi, il a eu un accident. Boss stage. C'est parti, c'est l'heure du boss. On fonce. Oh non, c'est pareil, il est chiant celui-là. Oh, j'ai des images du Gotham qui me reviennent. Ok, donc là, il faut juste pas le rater. Et en plus, t'es obligé d'y aller. T'es là en mode 1, 2, 3, non, c'est mon nick. La classe. Ok. Ok, bon là, je l'ai eu précis.
Et j'ai tapé droit à chaque fois. Non, parce qu'en fait, on peut le tordre le clou. Et on peut casser. On peut casser la tête en fait. On peut casser la tête du clou. Ça va, ça va. Tu vas arriver en retard. Voilà, c'est bon, bah l'arrivée, elle est à l'heure. Cubute, à une minute près. Ouais, c'est bon, t'inquiète, je suis à l'heure. Mais il était là. Ah, mais tu sais qu'on est passé aux heures d'hiver. Merde, je sais plus si c'est heures d'hiver ou heures d'été. Ah merde, imagine-moi là. Ah merde, putain, j'avais zappé. Du coup, je suis une heure en retard. Hop là, baiser. Du coup, Mona, dans ce jeu, elle est tendeuse de glace, visiblement. Ça tombe bien, c'est l'été. C'est le bon timing. Je suis en train de penser, en tant que ça charge, c'est un peu long. Quelle est votre glace préférée? Il y a des goûts qui existent, c'est même des goûts insolites. Il y a quelques jours, j'ai goûté, parce que je suis allé en Alsace, j'ai goûté une glace un peu incontournable. Là-bas, en tout cas, j'ai goûté la glace Nult Alsace. Et en fait, c'est une pâte à tartiner qui font exclusivement en Alsace. Donc là, c'est parti pour 9 volts. Mes personnages préférés, donc je l'ai dit un peu plus tôt. Et là, c'est que des jeux rétro, que des jeux rétro Nintendo, donc que du NES, Super NES, je sais plus s'il y a du 64. Maintenant, tactiquement, non, parce qu'il y a pas, la console ne fait pas 3D. Mais lui, c'est vraiment le nerd par excellence. Il a toutes les consoles, il a tout, même les trucs les plus rares. Il a le Virtual Boy. Hello. Ok. Hello. Hello. Ce nombre de GameCube. Mon salaud, il en a 6. Je connais qu'une seule personne qui en possède autant, mais bon. Bah c'est un copain. Mais il a pas que les consoles, il a aussi les dev kits. Mais c'est ça qui coûte le plus cher, c'est les dev kits. Voilà, c'est vraiment que des jeux, que des vieux jeux NES qu'on va se taper. Hop là. Le Duck Hunt, hop là. Le bon Mario. Ah là, du coup, je peux me déplacer, je peux sauter. Ah merde. Ah, mais il y avait une espèce de latence, c'était dégueulasse. Tu perds sur Mario. Holy, ok, ça c'est le docteur Mario. Ah, c'était écrit. Je vais essayer de le dire, essayer de deviner. Bon, bah, ça c'est le classique Donkey Kong. Est-ce que je vais réussir à deviner tous les jeux? Parce que je connais plein de jeux. Bon, bah, ça c'est The Legend of Zelda. C'est le premier, classique. Et vite. Ça c'est des, ça c'est des vieux vieux jeux ça hein. Comment les jeux, des jeux d'arcade. Écrase. Bon, y a pas que des jeux Nintendo, enfin je veux dire des vieux jeux de la NES. T'as aussi également du coup des inspirations de jeux électroniques. Ah Rob. Ça c'est un robot de la NES, oui. Je sais que le jeu sur, avec Rob c'est Gyromite. Ah tiens, Metroid. À la foupourri Mother Brain. Ah, le Mario de la Virtual Boy. Avec l'effet de profondeur. Hein. Hop là, Wild Gunman. Le boss apparaît. Ah, je sais plus c'est quoi le boss sur ce niveau. Toujours 6. Ah non, ça aussi c'est bâtard. Ça va nous faire des vieilles feintes. C'est comme sur Mario Land. Premier, facile. Voilà, des fois la balle a disparu, c'est rigolo. Connard. 3, ok, encore 3. Et il envoie ma cuite, hein, c'est rigolo. Non, bah là, je l'ai un peu tôt. Ouah, et puis ça, là, il nous l'a mis à ma cuite. Ouais, et on avait que 4 essais, hein. Si on ratait les 4 essais, c'était mort. Et bien, on a réussi. C'est bien, c'est cool. Dernier rivage. Là j'ai bien SP et là. Bah oui parce que c'était un jeu Game Boy. Donc à l'époque c'était la Game Boy classique, la violette ou grise. Bah comme on peut voir du coup sur le côté gauche, là on a plus rien à pouvoir. Et après du coup il y a eu l'espèce du coup de Game Boy avec l'écran refermable. D'ailleurs je me dis, un truc, c'est un truc qui paraît complètement useless là comme ça. Mais pourquoi je vous mets cet overlay? C'est simplement pour pouvoir mettre le jeu au bon ratio. Parce qu'en fait du coup le cadre Game Boy Advance, il est au bon ratio. Parce que le souci que j'ai, c'est que si je le mets en plein écran en fait, bah les pixels seront pas ce qu'on appelle pixels perfect, ils seront plats. Et ça sera moche. Je vais même vous faire un exemple maintenant, regardez. Voilà, ça pourrait faire ce genre de choses, et là c'est dégueulasse. Et du coup, nous allons terminer sur ce personnage. Remix 1. Et c'est encore Jimmy. Jimmy, mais avec une afro. Ou plutôt une perruque jaune. C'est pas ses vrais cheveux, mais ça, faut pas le dire. Voilà, bah là, on l'a vu en plus. Donc là, c'est tous les jeux qu'on s'est tapés. Vraiment, le remix. Ah merde, j'ai fail. Ça commence très bien, tiens. Vite.
Ok, on se baisse. La boule. On saute. Et là, du coup, les jeux sont déjà en difficulté moyenne. Oui. Ce sont tous les jeux mais en difficulté moyenne. Voilà, tout à l'heure on l'a vu ici, enfin tout à l'heure il y avait moins de blocs sur sa main. Là il y en a beaucoup plus. Un exemple. Et vite, là ça va beaucoup plus vite aussi. Speed up. Ça va déjà plus vite. Attrape. Voilà, là il nous fait des feintes, regardez la forme. Regardez comment là-bas la partie. C'est bon. Bon, on va éviter ce fail. On a que 2 vies. Non, c'est mort! Oh, le mauvais timing! Oh, pour le boss, ça va être chaud. C'est bon, t'inquiète, c'est passé. T'inquiète, l'œuf, il est parti dedans. Speed up, c'est pas encore la fin. Bon, là, faut se concentrer là-dessus. Hein. C'est pas encore fêlé. Ah non, 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 non. C'est bon. Tiens. Ah, c'est parti pour bourrer, t'inquiète, ça c'est facile. Non, je n'ai pas réussi à tuer Bowser Brain. Ah, je me suis chié en beauté. Et on enchaîne, t'es reparti. Allez, concentration. Ok, bon ça va, parce qu'on se tape toujours les mêmes jeux. Ah. Bah ouais, comment tu veux. On part déjà très mal, hein. Hop, là, feu d'artifice, ça c'est fait. Je voulais le tamage, je peux en faire l'artifice de pute. Ah, c'est vulgaire. Et je vois les bruits. Tiens, arrête un ballon. Le mec qui essaye de toujours dire une conversation. Voilà. Il y a des jeux qui sont vraiment simples. Hein. Ok, speed up. Là, on a encore 3 vies, on est bien. Rebondis. Allez. Lance. Hop là. Prends ça le bout. 12. Puissance max. C'est bon, ça tranche. 12, 13, allez. Ça va. Là c'est bon, c'était juste des poutards à rentrer. Et vite. Ok. Ok. C'est bon, là c'est facile. 15, allez. 8. Je suis les personnages, le gobelet c'est celui qui essaie de m'attraper. 16, allez. Saute. Et j'ai raté. Il me reste de vie. 17. Hop. Oh le bâtard, il m'a ralenti. Le boss. Ah c'est reparti pour un petit round, j'espère juste que je vais pouvoir le battre. Hop là, esquive, boum. Crochet du droit. Gauche, crochet du droit. Je repars à droite, crochet du droit. J'attends, boum. Ah il s'est énervé, j'ai esquivé, il est parti. Hein. Droit dans sa gueule. Ah, cette fois, c'est un mouton. Oh yeah, joli rythme. Je saurais même pas comment imiter la voix de Jimmy. Oh yeah. Il a vraiment une voix, mais genre très très grave. Et voilà, ça gère, j'ai de nouveaux personnages. Ouais. Mais ça sera pour une prochaine fois, bien évidemment. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Mais aussi, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimez WarioWare. On se retrouve très bientôt pour la suite et la dernière partie. À très bientôt. Allez, salut.